Rodrigue. Je croyais d'avoir beaucoup plus de place. Ça va mieux ? Voilà, pour l'instant on laisse comme ça. Nickel. Ah, ah, ça s'engueulait pas. L'idée, ça va être de quantifier les plastiques qui sont présents à la surface de l'eau dans différentes zones de Méditerranée, donc en fonction de notre itinéraire. Donc pour ça, on va utiliser le filet manta, on en a deux. Donc manta pour ses jolies ailes qui nous permettent de flotter et la grande bouche qui va ingurgiter toute l'eau qui va passer à travers, plus les plastiques, plus les déchets naturels. Le filet, on va le tracter pendant 30 minutes, entre 2,5 et 3 minutes. Pour faire le prélèvement manta, on a trois postes. On va avoir le poste du déploiement du manta. Ensuite, on a le poste du winch. Les mètres des temps. Le numéro du manta. C'est codifié de cette façon pour ce projet-là. Il y a donc les infos de latitude, longitude, en début, au milieu et en fin de manip. 61.145 nord. Et après, du coup, 9 degrés, 29 pour 534 est. Du coup, on recopie ça. À 0 minutes, à 15 minutes, il faut revenir prendre une photo, noter, parce qu'on peut, on a l'impression de faire un trajet droit, mais potentiellement on dérive, donc il y a un petit arc de cercle, donc c'est intéressant d'avoir celle du milieu. Tout ce qui est conditions de mer, on demande à Julio. Ouais, en général, okay. C'est lui qui nous les donne. Donc ça va être état de la mer, force du vent, direction du vent et la vitesse de vent. Moi, j'aime bien rajouter des informations sur l'endroit qu'on est en train d'analyser. Là, typiquement, on est plutôt sur les côtiers, très proche des côtes. Ouais. Il n'y a pas trop de trafic, il n'y a pas trop d'infrastructure humaine, il n'y a pas d'embouchure de fleuve. D'accord, voilà. Ce style-là d'information qui peut nous permettre, après coup, avec l'analyse, de dire ok, bah là, on a observé énormément de microplastiques. Ensuite, on va avoir le poste du déploiement du manta. Donc, pour ça, il faut être en binôme. De toute façon, sur chaque partie du prélèvement, on travaille toujours en équipe, minimum 2, voire 3. Il y a une personne qui va tenir le bout, qui maintient le manta et qui passe par la poulie, et une personne qui va soulever le manta pour le sortir de son support. Donc là, c'est vraiment travailler à deux, c'est-à-dire celui qui tient le bout, il va alléger le poids du manta pour celui qui va le soulever. Il faut qu'il y en ait un qui soulève et il y en a un qui tire le bout tout doucement, jusqu'à ce qu'on amène le manta jusqu'en haut de la poulie. Une fois qu'il est là, la personne, elle fixe le bout, elle fait un nœud de taquet. On jette le filet à l'eau, qui fait 3 mètres, donc il va toucher l'eau. On le laisse pendant 2-3 minutes, c'est ça, on le rince parce qu'il a été stocké longtemps, donc il y a de la poussière, il y a des saletés. Et ça permet de le rincer avec l'eau du site. Donc entre chaque prélèvement, on fait un rinçage avec l'eau du site. Une fois que c'est fait, la personne, elle tire sur le bout, on remonte le filet jusqu'à la poulie, on ramène le filet à bord, et là on fixe le collecteur. Une fois que vous avez fixé le collecteur, délicatement, on remet le filet à l'eau. Il reste à fixer le débitmètre, ça permet de mesurer le débit d'eau qui va passer à travers le filet. Donc vous avez un compteur sur le débitmètre, il ne se remet pas à zéro. Donc on note les chiffres juste avant de mettre le filet à l'eau. Je donne les chiffres du débitmètre. Alors vas-y, dis-moi. 23, 118. Et on renote les chiffres une fois qu'on le remonte. Après on fait la soustraction et on saura en fonction du nombre de tours que l'hélice a fait, combien de volume on a pris. Ça peut franchement être variable en fonction de la vitesse du bateau, en fonction du courant. C'est super intéressant de voir, puisqu'après, quand on va calculer les quantités de plastique, on va la rapporter au volume d'eau. Vous êtes prêts au winch? Vous êtes prêts pour tendre? 5, 4, 3, 2, 1, envoi! Les personnes qui sont les maîtres du temps à l'intérieur vont donner le top départ. Et là, quand vous mettrez le manta à l'eau, ils vont wincher en même temps. L'idée, c'est que le manta, il arrive à peu près à ce niveau-là, au milieu de la table. 890 nord et 9 degrés 28.945 Est. Et 15 minutes avant de refaire le point. Et ouais, 15 minutes avant de reprendre les coordonnées. Et à 15 minutes à peu près, on récupère l'eau sur laquelle on va venir mesurer la température et les paramètres physico-chimiques. Ouais, c'est bon. Ouais. Et tu mets jusqu'à moitié de ça. Ok. Ouais, c'est pas que l'écran soit dans l'eau. Ok. 27,5 degrés. On va trouver du microplastique, c'est ce qu'on cherche à mesurer. Ouais. Vous allez voir qu'on va voir aussi des algues, on va voir du plancton, on va trouver des crustacés, des petits crabes. Des fois on trouve des hippocampes, la semaine dernière on a trouvé un hippocampe. Donc c'est assez sympa, on voit aussi toute la faune qui vit en surface. Je décompte à partir de 4, 3, 2, 1, top! On relève le filet, on va prendre le tuyau d'eau douce et on va rincer toujours par l'extérieur. Parce qu'en fait, comme ton tuyau est en plastique et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les cubes, l'idée c'est de ne pas apporter du plastique ou des contaminants ou n'importe quoi dans le prélèvement. Donc par l'extérieur du filet, tu as le filet qui vide. Donc tu nettoies pour concentrer tout ce qu'il y a dans le filet dans le collecteur. Donc tout va tomber à l'intérieur. Du coup, bah, tu es en binôme, il y en a un qui nettoie, tu en as un autre qui va être mouillé mais qui tient le filet et qui le remonte au fur et à mesure. Et quand tu arrives au niveau du collecteur, hop, tu mets ton collecteur à bord, tu finis de nettoyer pour vraiment que tout tombe à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on déclipse le collecteur, on le verse dans un seau. Super. Et donc là, tu peux enlever le filet et regarder s'il reste du monde à l'intérieur. Là, sûrement qu'il y a encore un peu de rinçage qui est nécessaire. Et ça, tu peux le faire avec les pipettes. Si tu vois des gros plastiques de plusieurs centimètres, tu passes en bactériaux. Et dans ce cas-là, si tu trouves un plastique de taille intéressante avec un peu de verdure dessus, un petit peu d'algues, donc ça veut dire qu'il est colonisé, tu prépares tout le matos, tu désinfectes tout à l'alcool, tu sors ta seringue, tu sors ton filtre, et là, tu vas prélever un peu d'eau de mer, du site où tu as fait ton manta, avec la seringue. Tu mets ensuite ton filtre, et ensuite, tu récupères ton plastique avec une pince que tu as désinfecté. Et avec la seringue, tu vas lui mettre de l'eau filtrée dessus. L'idée, ça va être de détacher ce qui a pu se coller dessus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir vraiment ce qui est incrusté dessus, ce qui vit dessus. Donc tout ce qui s'est ajouté pendant le prélèvement, on vire. Et une fois que c'est fait, tu mets dans ton petit zip, tu fermes, tu écris les coordonnées, donc coordonnées GPS, date, heure, toujours la même chose, nom d'échantillon, et ça part au congélateur. Un laboratoire qui étudie les insectes, et notamment l'impact du changement climatique sur les populations d'insectes qu'on trouve sur les océans. Et du coup, faut jeter un petit coup d'œil, voir si on voit pas des insectes. On les prélève à la pince à épiler et on les met dans un petit flacon avec de l'alcool. Et ensuite, ça sera envoyé au laboratoire pour que eux ils fassent leurs analyses rigolotes. Et la preuve de la tester, bien la preuve en bas, ça. Donc une fois que ça c'est fait, tu verses dans la colonne de tamis. Pour agglomérer. Le but c'est bien viser. Ah là on va dire du plastique. Ouais. Du plastique, de la matière végétale. Et regardez les copépons de fond. Tout ça c'est du plancton, je crois. Tout ça c'est du plancton, ouais. Tout ça c'est du copépon. Tout ça est propre, tout est à l'intérieur. Et là, colonne de tamis. Dans la table d'opération. Et là, c'est parti. On a déjà trois parties différentes. Donc là, c'est le supérieur à 5 mm. Donc c'est toute la fraction qui est au-dessus. Là, c'est le 2,5 à 5 mm, donc c'est ce qu'on trouve juste en dessous. Et là, c'est le 1 à 2,5 mm, donc encore en dessous. Et après, la dernière fraction, c'est celle qui est inférieure à 1 mm. Donc ça, on met dans le flacon et ça sera analysé en laboratoire par la suite. Là, le but, c'est de répertorier tous les plastiques qui sont à l'intérieur. Et ensuite, on les catégorise. Et ensuite, il y en a deux qui se mettent face à face. Donc, si vous voulez commencer tous les deux. Et donc, l'arme de guerre, c'est la pince à épiler. Ensuite, c'est une pipette chacun, c'est plus simple. Et donc, l'idéal, là, c'est d'attraper les éléments plastiques ou végétaux. Mais si c'est du végétal, même du plastique, il faut bien le rincer au cas où il y ait quelque chose. Et là, sur ta colonne de tamis, tu vas commencer à retirer. Souvent, tu as des morceaux de posidonie, tu vas avoir des bouts de bois, des choses qui ne nous intéressent pas. Donc, tu les chopes à la pince. Et avec ton eau de mer, tu vas nettoyer pour détacher ce qui est posé dessus. J'ai un magnifique fragment. C'est ça, transparent. Okay. Transparent. Et là, tu vas utiliser ces feuilles de caractérisation pour les classer. Donc on va jouer sur la forme et sur la couleur. Donc la couleur, on a mis les grandes catégories, mais c'est très subjectif la couleur. Et la forme, on a 4 catégories. Tu vas avoir fragment, donc des morceaux qui sont fracturés de partout. Tu vas avoir le film, ça tu peux le voir pour les gros plastiques, quand c'est vraiment très très souple. Okay. Ligne, bah, ça va être des fils de nylon, ça va être des fibres, tout ce qui est linéaire finalement. Et ensuite, ESP, donc c'est EPS en fait, et PU, ça c'est le polystyrène expansé, et à côté c'est le polyuréthane. En gros les deux c'est de la mousse. Partenariat avec le laboratoire de Villefranche, ça va être de s'intéresser un peu à la dynamique du plancton qui fait des migrations verticales, donc les déplacements nyctémérales, qui est très influencée par la pleine lune, très différente. Et donc la question de ces chercheurs, c'est de savoir un peu si cette migration va influencer le rapport entre le plastique et le plancton qu'on a à la surface. L'évolution des plastiques dans les masses d'eau, on a besoin d'un comparatif. Donc ils essayent de voir si, en étudiant les communautés planctoniques et le plastique, on peut réussir à avoir un certain ratio qui nous dira si la concentration en plastique elle augmente, si elle réduit, si elle se stabilise. Je m'appelle Maria, j'ai 62 ans et je viens de Saint-Germain-en-Laye. Elias Bassali, j'ai 47 ans, je viens d'Algérie, d'une petite ville qui s'appelle Annaba. Je m'appelle Christophe, j'ai aujourd'hui 59 ans, je viens de Paris, je suis venu sur le bateau, c'est la première fois cette année. Je m'appelle Melissa et je viens de Courbevoie, donc la région parisienne, j'ai 19 ans. Alors moi j'ai connu l'association Expédition Med il y a déjà à peu près une dizaine d'années. J'ai rencontré son fondateur, celui qui a véritablement été à l'origine, à savoir Bruno Dumontet. Je l'ai rencontré au cours d'un festival qui s'appelait à l'époque le Festival du Vent. On s'est rencontrés, moi j'étais très intéressé par ce qu'il faisait. Et par la suite, dès l'année suivante, j'ai engagé la société dans laquelle je suis pour sponsoriser en fait Expédition Med et ses expéditions en Méditerranée pour faire un état des lieux des plastiques. C'est la société Novamont qui est à l'origine en quelque sorte des plastiques biodégradables et biosourcés. Et donc c'est la raison pour laquelle évidemment j'étais très intéressé à essayer de comprendre la pollution marine. Je cherchais à m'engager en tant que volontaire, j'ai bien aimé la thématique et donc me voilà. Je pense qu'il faut vraiment agir pour arrêter ce fléau. Et donc c'est ma petite contribution pour les générations futures. Je m'intéressais déjà un peu parce que j'avais déjà entendu parler de bateaux qui justement ramassaient les plastiques un peu partout en fait, en Méditerranée, etc. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur l'expédition Med et je me suis dit que pourquoi pas essayer cette année. Voilà. Vu les travaux qu'on a entrepris avec mon association, qu'on a travaillé énormément sur le plastique, et aussi par le fait que Expédition Med en 2018, si j'ai pas dit de conneries, 2018 fait la côte algérienne, permis de faire connaissance d'Expédition Med et des travaux qui sont effectués pour la lutte contre le plastique. J'ai beaucoup aimé cette expérience et en plus il y a déjà une bonne ambiance avec tous les éco-volontaires et les scientifiques. On est vachement bien accompagnés pour le mental, etc. avec l'expérience. C'est dur à dire parce qu'en vrai tout m'a intéressé à la fois quand j'étais à la loupe binoculaire, quand on regarde tous les fragments plastiques et puis aussi quand on s'occupe du mental. Et un moment marquant, tout est marquant, on dirait. Je suis agréablement surpris par cette semaine-là que j'ai passée sur la Bonita, la gentillesse, la disponibilité de l'équipage, du capitaine. Aussi, il y a beaucoup de nationalités dans ce petit espace. L'algérien, l'espagnol, l'italien, l'argentin, le français. Et là, on voit bien qu'on est humain. Et finalement, on se ressemble tous, malgré nos différences de religion, de région, de culture. Mais on partage les mêmes envies, les mêmes peurs. Et notre attachement à l'environnement, finalement, il est universel. Il n'y a pas une région qui comment dirais-je, qui survendent cette idée-là par rapport à toi? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà l'ambiance, l'équipe, on travaille dur, on mange très bien. Fragment blanc. Et voilà, c'est ce qui m'a fait reparticiper, le fait qu'on participe à quelque chose d'utile. Voilà, on joint l'utile à l'agréable. Je ne dirais pas qu'il y a un moment qui m'a le plus, c'est toute la semaine qui m'a plu. Vraiment toute la semaine, on est une équipe extrêmement intéressée par ce qu'on est en train de faire. Tout le monde est à la fois motivé et passionné presque d'ailleurs. Il faut être passionné parce que on ramasse des tout petits bouts de plastique quand même hein, dans l'eau. Des gros bien évidemment, mais ce qui est intéressant c'est aussi de récupérer les tout petits et de savoir combien il y en a, puisque les plastiques de toute façon au bout d'un certain temps se fragmentent et deviennent très petits. Donc véritablement essayer de trouver et de comprendre la pollution plastique en mer, c'est presque plus les petits que les gros, parce que les gros tout le monde les voit, mais les petits sont beaucoup plus embêtants, beaucoup plus gênants, parce qu'on ne peut pas les ramasser, et c'est ce qu'on appelle les microplastiques, et qui sont extrêmement persistants. Pour moi, les microplastiques, c'est l'ennemi invisible. Nous, déjà, en 2009, on a mis une opération, c'était la récupération des déchets plastiques, des déchets solides de manière générale, où il y a le plastique, les pneus, les batteries, tout ce qui est visible. Mais le plus dangereux, je pense, c'est celui qu'on ne voit pas. Et les microplastiques, ça devient un truc d'actualité, devient une problématique très très importante. On doit la régler. Et je pense Expédition Med fait beaucoup pour vulgariser et sensibiliser de ce problème-là, puisqu'il est invisible, mais je pense qu'il finit dans le plat. C'est quelque chose à faire, je pense, c'est vraiment une bonne expérience, vraiment en tant qu'étudiante, franchement. Et aussi en sciences, ça m'a beaucoup aidé, on va dire. Et puis même pour sensibiliser à tous les problèmes plastiques en mer, dans l'océan, etc. C'est quelque chose à faire. Ouais. Je pense en sensibilisant, en faisant beaucoup de sensibilisants, on arrive à changer les modes de notre consommation d'une manière générale. Et je pense qu'on va y arriver. C'est chacun de nous met un petit peu du sien. Je pense que Bonita est en train de faire un truc extraordinaire. Et je pense qu'il faut être nombreux à venir parce que là, on touche les choses qu'on est en train d'en parler. On n'est plus dans l'abstrait, on est dans la réalité. On est en train vraiment de toucher, de voir cette quantité extraordinaire de microplastiques. Et là, c'est plus invisible, mais au contraire, elle est visible et on sent le dégât qu'elle est en train de faire. Du coup, je pense qu'avec ces éco-volontaires et avec l'image et avec le message qu'ils vont véhiculer, chacun d'entre eux, d'entre elles, on peut y arriver par le biais de sensibilisation. Oui, je pourrais leur dire d'abord que c'est extrêmement intéressant, passionnant. On ne voit pas que de la pollution, on voit aussi de très belles choses, puisqu'on est quand même dans un cadre absolument idyllique qui est la Méditerranée. On travaille pas mal, mais dans une très bonne ambiance et franchement, au-delà de ça, une petite mention spéciale pour les repas qui sont vraiment extrêmement bons et de manière extrêmement surprenante parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. On a ici une cuisinière qui s'appelle Eva qui nous concocte des repas. Je ne dirais pas quand même que c'est dans un 3 étoiles Michelin, mais on s'y rapproche, hein, on s'y rapproche. On va dire continuer, continuer et continuer.